Premiers hommes modernes, la Baume-Périgueux, il y a 37 000 ans. C'est en 1939, dans la Baume-Périgueux à Tourrette-le-Vince, que furent mis à jour des outils attribuables à l'Homo sapiens ou Cro-Magnon, témoignant de l'arrivée des premiers représentants des hommes modernes. Sachant mieux s'adapter aux différents types de milieux et aux catastrophes écologiques, ces nouveaux venus remplacent les populations néandertaliennes qui occupaient avant eux ce territoire. La grotte, de modestes dimensions, ne constitue pas un habitat permanent, mais une cavité utilisée au cours de différentes expéditions de chasse au bouquetin, pratiquées par les hommes du Paléolithique supérieur. Leur outillage était très spécialisé et diversifié, grattoirs, lames retouchées, burins ou perçoirs. Les premiers arrivants de la culture aurignacienne confectionnaient non seulement des outils élaborés en silex, mais aussi tout un armement de pointes saguées en bois animal ou en os, témoignant de la suprématie technologique de ces populations. Ce sont eux qui sont à l'origine de l'art figuratif, se traduisant par la confection de petites statuettes d'animaux et d'humains en ivoire, et de l'art pariétal des cavernes. Vers 28 000 ans, des chasseurs appartenant à la culture dite gravecienne sont venus eux aussi à plusieurs reprises occuper temporairement le site pour y chasser les mêmes animaux. Ils s'individualisent par l'utilisation de petites pointes de silex gravette pour armer l'extrémité de leur sagaie. Ces hommes pratiquaient des rites funéraires complexes et façonnaient les petites statuettes dites Vénus en ivoire, en pierre ou en stéatite que l'on trouve à cette époque d'un bout à l'autre de l'Europe.